dans cette assemblée pour ce lunch thématique qui favorise le travail interassociatif en créant des synergies entre les membres qui interviennent donc dans les mêmes domaines spécifiques et autour de thématiques communes, des politiques aussi et des partenaires publics et privés, de s'informer sur différentes problématiques rencontrées par nos bénéficiaires et de mettre en commun nos réflexions et d'élaborer des pistes d'intervention. Le postulat de départ qui a été posé, c'était vraiment comment permettre à des demandeurs d'emploi à Genève d'accéder en peu d'étapes à une activité professionnelle ou sociale. Alors si les associations sont restées des actrices incontournables de l'insertion et de précieuses ressources dans ce processus, nous continuons à nous poser régulièrement la question. Et après, que se passe-t-il? Où sont les relais au sein de notre économie? Travailler avec les associations, c'est le propre du CAPAS, c'est vraiment de mettre en avant l'expertise des associations et de les promouvoir également. Du coup, un exploit de pouvoir décloisonner un peu nos pratiques et faire en sorte qu'on puisse réfléchir ensemble autour d'une même thématique. Notre volonté était vraiment de favoriser le maximum de réflexion afin d'organiser ce lunch et de donner des pistes pour avancer et trouver une meilleure manière ou des meilleures manières d'aider les personnes qu'on accompagne au niveau social, au niveau moral, au niveau personnel et professionnel. En 2004, ma femme me demande de quitter la maison. Je reçois cette information par mon beau-père et je n'ai jamais pu avoir d'échange avec ma femme à ce sujet. Je me retrouve du jour au lendemain à la rue. Je n'avais jamais consommé de drogue avant et je deviens consommateur de cocaïne. On trouvait que c'était un bon exemple parce que justement la personne est passée par toutes les différentes étapes, tout allait bien, il y a un événement qui s'est passé, un divorce, il s'est retrouvé dans la rue, commencé à consommer des drogues et ensuite de ça la personne a décidé de revenir, se réinsérer et elle a repris petit à petit le chemin de sa vie. On a pris un témoignage pour montrer justement ce qu'avait fonctionné mais aussi montrer les difficultés qu'on avait rencontrées et au final de faire des recommandations. Dans un tel domaine, précisément la couture où il n'y a pas d'emploi ou quasi pas à Genève, est-ce que c'est imaginable? Enfin, nous, on a essayé de penser qu'on pourrait peut-être l'encourager à se créer une clientèle privée. Qu'on peut utiliser ensuite comme compétences transférables qui sont en lien cette fois réellement avec le marché du travail. Et ça se fait peut-être dans une autre mesure. Et c'est là où on parle de coopération, de coordination aussi. L'idée, c'était de montrer un petit peu justement la complexité du travail d'insertion et de montrer également que c'est un travail de longue haleine. En tant qu'association, qu'est-ce que j'amène moi, à quel moment, et puis la frustration de devoir à un moment donné lâcher et puis laisser la personne partir vers peut-être une autre association ou un autre suivi au travers de l'hospice général qui fait la coordination de l'ensemble de ces mesures. Pendant 7 ans, je garde des enfants dans des familles. Je permets aux parents d'aller travailler. Les enfants m'aiment beaucoup. Et la fondation qui m'emploie est contente de moi. Mais le service des emplois de solidarité me demande régulièrement de chercher ailleurs. Parce que je prends la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, il y a une dysfonction. Parce que il y a une contradiction très sérieuse dans la mesure où la société attend de vous une intégration professionnelle et d'autre part, on fait tout pour que la personne ne s'intègre pas. On a travaillé sur le paradoxe des emplois de solidarité qui sont des emplois subventionnés par l'État. Et au fait, c'est des métiers à part entière, mais on demande à ces personnes de rebondir sur le marché ordinaire, de devoir retrouver un travail dans un marché qui est compliqué, qui est précaire. L'illusion de chercher une nouvelle stabilité économique en quittant l'hospice général et en commençant à travailler dans les sportifs. Le monde
monde du travail a beaucoup évolué en 20 ans. On voit qu'aujourd'hui, les places à disposition sont pratiquement inexistantes. Donc, je pense qu'effectivement, il faut plus particulièrement parler d'insertion professionnelle parce qu'effectivement, ça devient un leurre avec la population surtout très marginalisée que nous recevons au sein de nos associations. D'où l'intérêt de repenser peut-être l'insertion sous sa forme sociale et sous l'impact que peut avoir l'accompagnement qui est effectué au sein des associations pour que la personne puisse à un moment donné retrouver un bout de processus d'insertion, que ce soit social ou finalement peut-être dans le meilleur des cas professionnel, mais surtout de remettre l'accent sur l'intérêt d'une insertion sociale. Une recommandation, c'est le revenu universel ou le revenu, un revenu de base qui permettrait à tout un chacun d'avoir une dignité et de ne pas forcément se retrouver à la rue comme ça arrive encore aujourd'hui. Pour moi, c'est ce qui est important. Regardez quelles sont les compétences transférables. Je sais faire ça dans un certain métier qui n'existe plus, mais c'est aussi utilisé dans d'autres métiers. L'autre aspect, c'est aussi la transformation du marché du travail qui amène aujourd'hui vers des nouveaux emplois qui commencent à émerger, sur lesquels on doit être attentif aussi pour pouvoir aiguiller les personnes. Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est transition énergétique avec l'isolation des bâtiments. Une attente assez élevée vis-à-vis de l'État de se positionner et d'éventuellement repenser à un modèle de réinsertion. Permettre à chacun, à chacune dans la société, avec ses ressources, son potentiel, de contribuer à cette société de manière plus juste, plus équitable et solidaire. C'est toujours l'idée d'agir ensemble, de se mettre ensemble pour nous faire entendre. Quand je dis ensemble, c'est les associations, mais aussi avec des entreprises qui sont socialement sensibles, avec les institutions publiques et surtout avec le milieu politique. Ça donne de l'espoir parce que, comme je dis, il faut qu'on travaille ensemble toujours plus pour faire reconnaître les questions sur lesquelles on travaille et qui sont essentielles, à mon avis, pour notre société et pour l'avenir.